to your favorite modern world. Bonjour tout le monde! Après Power, Wisdom, Courage en 2021, Fierce Deity revient cette année avec un nouvel album intitulé A Terrible Fate. Pour rappel, Fierce Deity donne dans le power metal symphonique grandiloquent à la manière de Aeron. Un projet solo de Jonathan Barwick sur lequel plusieurs de ses amis font des apparitions. Jal Roper, Brett College, Tom Howard, Thor et Joe Halley. A Terrible Fate propose 6 morceaux de 4 à 9 minutes, le tout pour une durée totale de 3 quarts d'heure, pendant lesquels Jonathan nous raconte l'histoire d'un dieu hantant un désert glacé. Les morceaux de A Terrible Fate vont du power metal au symphonique électro en passant par un peu de folk, comme dans Paralysis. On y retrouve également du métal oriental façon Stargate, le film que j'ai revu il n'y a pas si longtemps, mais aussi profusion de chœurs et de voix enregistrées. Il y a des titres vraiment, vraiment péchus comme Life of Hate ou A Terrible Fate, et d'autres nettement plus contemplatifs dans le genre de Naked Shrine, le seul instrumental de l'album, ou Paralysis Into the Wind. Autant dire que c'est pour le moins varié. Mon titre préféré reste de loin, Dead World, caché au milieu de l'album. Bon, ne me demandez pas pourquoi, je n'ai pas vraiment d'explication. Peut-être est-ce dû au chant. Toujours est-il que c'est le morceau sur lequel mes oreilles s'attardent en détail à chaque fois. La pochette n'est pas une image d'IA ni une photo tirée d'une banque d'images, mais une peinture. Celle d'un voyageur armé d'un arc long qui chemine dans un paysage désolé sous un ciel chaotique vers le temple qui se dresse à l'horizon, telle une tour noire. De multiples lunes et quelques étoiles brillent dans le ciel, mais c'est un vortex blanc d'où tombent des pattes arachnoïdes qui illuminent la nuit juste au-dessus du temple. Une illustration digne d'une campagne de jeu de rôle à laquelle j'aurais bien voulu participer. Alors oui, A Terrible Fate possède un côté geek, pompier, grandiloquent, mais à côté du travail d'Arjen Lucassen, Jonathan reste quand même un petit joueur. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de points communs entre cet album et un Into the Electric Castle de Aeron, par exemple, comme le début instrumental de A Terrible Fate. Fatalement, l'album n'est pas follement original. Par contre, il est vraiment excellent, surtout si l'on considère qu'il s'agit d'un projet solo. Alors, allez le découvrir, il est sur Bandcamp. C'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans une semaine pour une nouvelle surprise. D'ici là, écoutez de la musique et soutenez les artistes en allant à leurs concerts. Vous pouvez cliquer sur le pouce si vous avez aimé la vidéo et si vous voulez suivre les autres, abonnez-vous. Bisous.